Eh bien salut à toutes et à tous, Slime Company, il est 16h, j'ai oublié d'allumer les lumières, ça fait plaisir, bougez pas. Attends, on va faire ça comme ça. C'est quand même un petit peu mieux. D'ailleurs, je me présente, je m'appelle Mkolo, pour ceux qui me découvriraient par hasard, pourquoi à chaque fois je dis salut à toutes et à tous, il est 16h, 16h ça n'a pas de sens, vous allez me dire. Mais tout simplement parce que mes vidéos sortent à 16h, voilà, ça fait depuis 2014 que je fais ça. Mettez-vous bien, installez-vous, et direction Los Santos, puisqu'aujourd'hui on va jouer à GTA Guesser. Alors si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, eh ben n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en fiche ici. J'avais découvert du coup un GTA GeoGuesser, entre guillemets, et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types de GTA GeoGuesser, plusieurs jeux sur internet. Et on est parti du coup avec un premier selfie de Franklin du coup, qui est dans des conteneurs. Alors là, il est pas précisément dans les conteneurs, c'est vrai, mais il est aux abords de conteneurs. Je remarque qu'on a une petite loupe qui nous permet de zoomer, donc très pratique, très pratique. Bon, qui dit conteneur dit qu'il est là, voilà, tout simplement. D'ailleurs, on peut voir les conteneurs ici. Maintenant, faut juste savoir où c'est que c'est. Et d'ailleurs, regardez, on voit des bâtiments derrière, et moi j'ai envie de vous dire que c'est ce bâtiment là. Ok, au début, moi, je l'aurais mis vers là. Tu vois, au début, je l'aurais mis vers là. Mais il n'y a pas l'eau entre. Et le bâtiment, c'est la face avant du bâtiment. Et la face avant du bâtiment, c'est ça. Donc, ça veut dire que là, c'est aussi des conteneurs. Et ça veut dire qu'il est soit là, soit là. J'adore quand ça commence comme ça. Mon ego, il est heureux. Là, c'est vraiment mon âme d'enfant qui ressort. Et j'ai vraiment pas envie de me tromper. Et du coup, en toute logique, t'es pile en face du toit triangulaire. Donc le toit triangulaire, c'est là, pile en face. Bah ouais, c'est ici les gars. Hop. Oh non. Oh, c'est dur. Comment j'ai pu me planter? Bon, on est au même endroit, on est au niveau des docks. C'est là qu'il y a les conteneurs, évidemment, les transports, les fret maritimes. J'ose quand même mettre un joker et me dire qu'il y a un doute. Il y a quand même un doute. C'est bizarre. Bon, bah écoutez, on va passer au suivant selfie où nous avons un Franklin qui est dans son élément. Clairement, il est dans son élément. Il est dans ses quartiers. Alors, ça va m'aider énormément. Vraiment, ça m'aide énormément. Pour la simple et bonne raison que il faut juste que je trouve où c'est. Heureusement, il n'y a pas de timer. Alors, attendez, je sais que t'as un pont là. Ok. Voilà. Si je dis pas trop de bêtises. Oh, oui, messieurs, vous voyez les deux structures. C'est ces deux structures ici. Déjà, si la ruelle, elle est dans le même sens. Là, je pensais à cette ruelle ici. Mais si la ruelle, du coup, elle est, voyez, elle est dans le même sens. Donc, du coup, c'est pas logique. Mais si, c'est absolument logique. Ici, mec. Ici. Putain, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, tout mon raisonnement était bon. Hein, clairement, tout ce qu'on voyait, c'était... Je pense bien ça, mais voilà, putain, c'était juste là. Alors c'est pareil, je suis désolé, je suis assez vulgaire. Je m'excuse pour ceux qui me découvrent encore une fois, c'est ma personnalité, je n'y peux rien. C'est quand même dingue, hein, je suis toujours à côté, c'est... Mais vraiment, hein. Allez, le suivant, c'est la bonne. Lié dans les montagnes, derrière c'est le mont Chiliad. Pas du tout, c'est peut-être ça le mont Chiliad. Pas du tout. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, mon copain. Les gars, je vais y aller au bluff. Il y a pas de route, il y a rien, il est là. Regardez les gars, one shot. Non, pas du tout, mais alors pas du tout. Il est, mais c'est traître, il est au bord de la plage, sur la crique. Il est sur la crique, mais il faut le savoir, parce que là, tu vois à peine le sable. Mais le sable, frérot, bah, il y en a là aussi, quoi. Tu vois, c'est pour ça. Ça aurait pu être là, en plus, hein. Et en vrai, de vrai, c'est pas déconnant, mon choix. Là, ce sera un peu plus simple, pour la simple et bonne raison que derrière, nous avons Sandy Shore. Oh, il est sur une route à caractère... prioritaire, ce qui signifie 80 km/h pour les poids lourds. Excusez-moi, je suis encore dans ma formation. Non, du coup, on a Sandy Shore, mais quand je vous dis Sandy Shore, c'est un abus de langage. Parce que Sandy Shore, c'est ça. Mais c'était pas ça que je pensais. C'était à ça. Voilà, c'est cette partie-là. Voilà. Tout ce que vous voyez ici, selon moi, c'est ce que vous voyez là. Et donc, c'est cette route qui est juste ici. Et en plus de ça, on a des rochers derrière. Malheureusement qu'on ne peut pas voir, mais je pense qu'ils sont là, les rochers. Et moi, les gars, je vous dis que c'est ici et que c'est un perfect. J'ai envie de crever. Bon, j'ai quand même 171 points, je suis à 339 mètres de la cible. Mais comment c'est possible? Mais putain, mais c'est trop dur. Là, j'ai pas le droit de me tromper, hein. Là, c'est à la Syrie. J'ai pas le droit de me tromper, ça c'est le mont Chiliad. Bon, on est au niveau de la Syrie. Maintenant, il faut juste que je retrouve la Syrie sans trop stresser. Bah, elle est juste là. La Syrie, elle est là. On a le mont Chiliad qui est là. Bon, jusqu'ici,
pas de problème. Ce qui signifie qu'il est précisément là, les amis. Et là, c'est un 100% que je viens de vous faire. S'il vous plaît, que j'ai au moins un 100%. Je vous en supplie, je vous en conjure. Mais comment? Mais il y a un problème. Mais c'est pas possible. Mais à quel moment? En fait, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, où littéralement, je suis pas si fort que ça, en fait. C'est possible aussi. Bon, bah, on a un score de 943 sur 2500, ce qui est voilà, très différent de ce qu'on a pu faire au préalable, bien évidemment. Et si ce genre de contenu vous plaît, les amis, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit like qui fait plaisir, ça prend une petite seconde, et le commentaire, alors ça régale, je compte sur vous, l'abonnement également qui est gratuit, merci à tous. On peut pas faire plus simple que là, il est littéralement, je dis bien littéralement, près de l'aéroport. On voit la ville en fond, le centre-ville en fond, les bâtiments en fond. Déjà, on peut s'aider avec ces deux gros ronds, par exemple là. Ah là. Là, bien sûr, tout à fait. Ici. Ici précisément. Avec, regardez, le chemin de fer ici. Le chemin de fer ici. La ligne droite avec les virages. Messieurs, dames, c'est la première fois que nous allons être tout pile là où il faut. À savoir... ici, là je suis refait. Là je suis refait. Je sais pas si c'est le maximum de points. Je pense pas malheureusement, mais 465 points, je suis à 45 mètres du bordel. Incroyable. On est où là? On serait pas au bord de la plage au niveau de Vespucci Beach? Oui, il est fort probable que ce soit même là le banc où le scénario de GTA V commence avec Michael. Michael qui est assis sur le banc, précisément ce banc là. Ah putain! Allez, image suivante! Nous sommes... oh non, je sais précisément où c'est. Il y a le... bien sûr, Mont Chiliad. Ici. Chiliad Mountain. Non, ça c'est le camp des nudistes. Ici. Ici et là, il y a un tunnel. Oh man. Allez, ici. Allez, je me mouille. Mais c'est là, c'est là. De toute façon, c'est là. Mais quoi? Je suis littéralement à l'opposé de la map. Mais quoi? Mais comment ça? On a les gars, là j'ai besoin des puristes de GTA. J'ai besoin de vous les gars. Est-ce que je suis en train de devenir fou là? Alors déjà, rassurez-moi et que vous êtes d'accord avec moi que vers là, il y a aussi ça. Qu'on soit bien d'accord. Il y en a peut-être même ailleurs, qui sait. Mais là, là c'est la magnifique route. Donc vous avez l'observatoire qui est là. Là c'est la magnifique route, j'adore cette route ici, tu vois. Ici c'est le petit coin un peu Fast and Furious. Vous savez, vous avez la belle vue sur le centre-ville, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, jamais de la vie. Bon, en attendant les amis, dites-moi si vous êtes hypé ou pas par GTA 6. Allez, le dernier, et cette fois-ci... ah bah j'allais dire cette fois-ci ce sera la bonne, mais... là mon poteau... déjà je suis incapable de savoir... oh, si, si. Déjà, c'est pas à Los Santos, c'est à... Sandi... c'est à... Paleto Bay. Non, mais... je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Par définition, à l'opposé de la map. C'est complètement dingue. Et ça, ça donne envie de faire plusieurs épisodes parce que t'as vu, il y a plusieurs images, il y a plusieurs possibilités et le potentiel est assez énorme. En vrai, c'est GG de ouf. GTAguessr.com, la classe. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement qui est gratuit. C'était Mkolo, à très vite. Ciao tout le monde.